Bah, dans la nuit de vendredi à samedi, on a un orage qui est passé avec une grosse lame d'eau et en une heure de temps, et bah, les tournesols se sont couchés. On peut voir maintenant que les pieds sont déracinés complètement, sont par terre. Donc on n'a que très peu d'espoir de sauver cette culture maintenant. Voilà, moi j'ai été impacté sur 50 hectares, toute ma quantité de tournesol est comme ça, j'ai rien à sauver. Tous les collègues, pareil, sur le secteur sont touchés également. On attend les assurances, voir ce qu'on peut espérer, mais très peu d'espoir à part passer le broyeur dedans. Et déjà que c'était une culture de remplacement, le tournesol a été implanté à la place d'un colza qui n'avait pas levé à l'automne. Avant l'épisode pluvieux de l'automne, on avait une période de sécheresse qui avait déjà impacté l'exploitation, donc on avait mis du tournesol en remplacement au printemps. Et voilà, maintenant, en une heure de temps, ce qu'il arrive à une culture dont on avait espoir. Et ben on a pris la tempête de vendredi à samedi, vent fort, eau et puis grêle. Voilà. Les feuilles sont toutes mâchées. Ça va continuer à pourrir, donc la salade est invendable. Il y a de la terre jusque dans le cœur. C'est perdu.